Pour Monsieur le maire. Papa, cette idiote de Sophie a renversé son jus d'orange sur Némésis. Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je veux qu'on l'emmène chez le toiletteur, maintenant. Oh, bon sang, j'avais complètement oublié. Le département organise un concours du village le plus écologique et je n'ai encore rien prévu. Il faut que j'en parle immédiatement à Vincent. Merci, papa. Ton vieux vélo devenait trop petit. Tu grandis tellement vite. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire de l'ancien? Eh ben... Vincent! Oh non, mon chat! Aïe, aïe, aïe! Oh. Aïe, 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 mon bras! Monsieur le maire, ça va? Ça fait mal! Oh là là! Emmenons-le à la maison. Maman pourra l'examiner. Je te signale que ta mère est vétérinaire. Traite mon père de caniche tant que t'y es. Ça suffit, Émilie. Aïe, 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 aïe. Eh bien, vous avez une belle fracture du poignet et une luxation de la cheville. Bon sang, c'est ma main droite en plus. Ça va vous immobiliser pour un petit bout de temps. Il va falloir prendre du repos et vous faire remplacer. Oh. Rassure-toi, papa, je me chargerai de la mairie. Je suis ta fille, après tout. Merci, Émilie. C'est gentil, mais j'avais plutôt pensé à Thomas. Qu'en dites-vous, Thomas? Moi? Oui, pourquoi pas? Je suis en vacances, donc... Oh, génial! Parfait! Je vais vous expliquer. Il faudra vous occuper en priorité du concours du village le plus écologique. Alors ça y est, t'es contente? T'es la fille du maire maintenant? Depuis le temps que t'attends ça? Quoi? Non, mais pas du tout, Émilie. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est ça, mon œil. Bon, monsieur le maire compte sur moi. Il va falloir trouver le moyen d'être plus écologique. On pourrait demander aux habitants d'arrêter de se laver pour économiser de l'eau. Eh, mais j'y pense. Pourquoi ne pas récupérer des vieux vélos comme le mien, les réparer et les mettre en location? Comme ça, ça permettrait de faire moins de déchets et de diminuer la pollution dans le village. Mais c'est pas bête du tout, ça, Martine. Je vais demander à mes amis s'ils ont de vieux vélos à donner. Excellente idée. Ma fille, tu es désormais en charge de l'opération des vélos pour tous. On réparerait tous les vieux vélos et on les louerait. Ça ferait moins de voitures dans le village. Mais c'est génial, Martine. Bravo, Martine. On a au moins deux dans notre garage. Trop fort. C'est génial. C'est vraiment une bonne idée. Oh, c'est un peu grâce à mon père. Si t'avais pas renversé ton jus d'orange sur Némésis, rien de tout ça ne serait arrivé. Tout est de ta faute. Finalement, c'est super cool d'être la fille du maire. Ça permet de faire passer ses idées sans problème. Attention de pas te transformer en Émilie quand même. Y a pas de danger. Tu sais, Martine, avec Claire, on a réfléchi à une autre idée. Puisque ton père ne te refuse rien, tu pourrais lui en parler. Alors voilà, ce serait un réseau de tyroliennes qui marcherait à l'énergie solaire ou éolienne. On en installerait partout dans le village. Comme ça, on pourrait aller de la place du village à l'école, à la cabane, au centre équestre. Enfin, tu vois. Oui, et on pourrait rentrer chez soi rapidement, sans fatigue et sans pollution. Oui, mais l'énergie solaire, éolienne, c'est pas... Tu lui en parleras, dis. Bah oui, 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 je vais voir. Super. Ouais. Hurrah. 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 Super idée.
Monsieur Pichon, en tant que fille du maire, j'exige que vous fassiez taire ces imbéciles. Je n'arrive pas à me concentrer. Mais enfin, Émilie, vous n'êtes plus la fille du maire. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Être maire, c'est pire que le bagne. Tout le monde réclame ceci, demande cela, exige encore ça. Des choses complètement folles. Madame Lambert a exigé de la moquette sur les trottoirs pour que son chien ne se salisse pas les pattes. N'importe quoi. Je n'ai qu'une envie. Dis, papa. Une douche, une bonne soupe, et hop, au lit. Épuisé. Je suis épuisé. Oh, pardon, ma chérie. Tu voulais me parler? Non, rien. En fait, c'était pas important. Quoi? Tu lui as rien dit? Non, en fait, j'ai pas pu. Je vois, il y a que ton idée qui est bonne, c'est ça? Les autres, ça a pas d'importance. Quoi? Mais non, mais pas du tout. Fais attention, Martine. T'es en train de... Allez, viens, Claire. Laissons mademoiselle la fille du maire. De toute façon, on n'est pas assez bien pour elle. Franchement, elle me déçoit. Des tyroliennes, soléro, éoliennes. C'est pourtant un bon projet, une bonne idée. Des tyroliennes, soléro, éoliennes? C'est pas une bonne idée. C'est une excellente idée. Et en plus, les éoliennes, c'est ma spécialité. Vous connaissez mes géniales éoliennes d'intérieur? Eh bien, si vous voulez, je peux vous aider. Ben... Oui, d'accord. Pourquoi Claire et Julie ne t'aident pas? D'habitude, vous faites tout ensemble. Salut. Tu viens, Raphaël? On rentre à la maison. Oh non, déjà. Vous faites quoi? Ben, tu vois, on bricole. Tu sais, pour mon idée de location de vélo. Alors, les enfants, ça avance? On a presque fini, papa. Formidable. Je vais appeler l'inspecteur chargé du concours. Je me suis dit qu'on pouvait organiser une petite cérémonie ce soir pour présenter ton projet. Oh, ce serait génial. Une fête. Une grande fête avec une course de vélo, rien que pour Martine, avec le président de la République, ce soir. Je comprends rien à ce que tu racontes. Mais s'il y a une petite fête pour les vélos de Martine, quelque chose me dit qu'elle va être un peu gâchée. Voilà, c'est ça, une petite cérémonie. Oh, très très simple, mais qui, je crois, vous intéressera. Mon papa a besoin de votre signature sur cette feuille. C'est pour... Oui, ce soir. Je sais pas trop quoi, de la paperasse, il m'a dit. Formidable. Vous n'allez pas le regretter, monsieur l'inspecteur. Au revoir. Et à ce soir. D'après mes calculs, il faudra environ 30 ans pour équiper tout le village. Autant commencer maintenant. De toute façon, le principe est simple. Il suffit juste de relier ce condensateur à ce transfo. Attention les yeux. Oups. C'est pas encore tout à fait au point. On va y aller, nous. On a des devoirs à faire. Martine avait raison. Notre idée de tyrolienne volante n'est peut-être pas si bonne. Ouais, on a été un peu injuste avec elle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et les enfants, merci d'être venus si nombreux. Merci à monsieur l'inspecteur régional en charge du concours du village le plus écologique d'être venu jusqu'à nous. Vincent, le nouveau maire m'a demandé de te donner ça. Hein? Il veut vraiment que je fasse ça? Oui, c'est urgent. Bon, bah, après tout, c'est lui le maire. Pour commencer, Martine, parle-nous de ton projet Opération Vélo pour tous. Avec ce projet, non seulement on réduit le nombre de voitures en ville, mais en plus... On récolte de l'argent qu'on pourra donner à une association écologiste. C'est une idée lumineuse. Hein? Mais quoi, bon sang? C'est intolérable. Je ne comprends pas. Vincent, tu peux nous dire ce qui se passe? Doucement. Pour les réclamations, faut vous adresser au maire. C'est lui qui a donné l'ordre de couper le courant. Comment ça? Mais c'est absurde et dangereux en plus. Enfin, Vincent, j'ai jamais demandé une chose pareille.
Et ça, c'est la signature de ma grand-mère, peut-être? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous allez trop loin, monsieur le maire. Économie d'énergie, d'accord? Obscurité totale? Non! Déranger le représentant officiel des Amis de l'écologie pour une farce pareille. Vous allez avoir de mes nouvelles, croyez-moi! Mais enfin, j'ai jamais demandé une chose pareille, c'est ridicule. Vous avez vu? Le nouveau maire est aussi nul que sa fille! Avec mon père, tout se passait bien! Oui, elle a raison. C'était un homme d'expérience. C'est vrai, un homme charmant en plus. Je garde ça en souvenir de ce moment absolument inoubliable. Mais... c'est peut-être la signature de mon père, mais pour le reste, ce n'est pas du tout son écriture. Je t'avais dit qu'on reconnaîtrait ton écriture. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais quelle idiote! J'y crois pas! Vincent, va remettre le courant, s'il te plaît. Faudrait savoir, hein. C'était juste un petit exercice pour montrer à tous les villageois combien l'énergie est précieuse et doit être économisée. Ah oui! Mais quelle bonne initiative! Oh, excellent! Vous débordez d'idées dans ce village! Eh oui, cette famille! Oh. Thomas, si vous le voulez bien, je vais reprendre mes fonctions. Je m'ennuie trop loin de mon bureau. C'est la meilleure nouvelle de la soirée. Je vais enfin pouvoir être en vacances. Le village va enfin de nouveau tourner rond. Je suis au courant de tout, Émilie. On s'expliquera à la maison. Oh, t'as été génial, Martine. Et nous, on a été très bêtes. Ça y est, ça marche. J'ai trouvé le moyen le plus écologique de se déplacer. Ah, décidément, l'écologie, c'est pas de tourpeau chez vous. Oh, 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 oh.